Yo, salut les potes, c'est ProPsycho, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui c'est pour Battlefield 1, la mission 1. Donc on va découvrir ensemble la campagne, voir s'il y a vraiment cette immersion totale. Donc avec EA Access, vous avez à 10 heures d'essai en fait à Battlefield 1 qui vous permet de découvrir la campagne en avant-première. Donc on va découvrir ça ensemble, j'espère que ça va vous plaire sans plus attendre. C'est parti! Et nous voilà partis du coup les gars pour cette petite mission. Donc on va commencer, hop, mission 1, on doit tenir la ligne. Ils arrivent là-bas là, je les vois là. N'hésite pas à s'allonger comme en multijoueur. Donc là en même temps ils t'apprennent en fait les bases hein, toujours dans les jeux. En tout cas franchement visuellement c'est une claque. Honnêtement ils ont fait fort. Voilà, petit lag. Ah bah carrément l'autre il sort de la ligne et tout, il est chaud. Ouais, j'ai récupéré une arme. Oh putain! On se casse! Sinon je vais crever. Attends, je vais me mettre là. Dégage-toi! Ah, il est juste là. Vas-y, vas-y. Ouf. Ouf. On se bat. Ah, il est là, lui. Ah. Barrez-vous, on va crever. Bon. Nous venions du monde entier, pensant que cette guerre serait notre rite de passage, notre grande aventure. Laissez-moi vous le dire, ça n'avait rien à voir. Ok. Donc là, on joue le rôle de quelqu'un d'autre. Ah non, il est avec moi, lui. À gauche.
Ah, la grenade! Ah! Merde! Barrez-vous! Oh putain! Boum! Coup de fusil à propos, mon pote. Boum! Boum! Je reste planqué parce que là c'est chaud. On va attendre un petit peu. Putain, mais il y a des lance-flammes partout, mec, c'est chaud! Fais attention, mec. Putain, c'est chaud, mec. Laisse tomber, hein. Là, tu te lèves pas, tu fais pas le mec, genre, ouais, c'est bon, je me lève, je les zingue tous. Il est où? Il me faudrait une grenade. Mais j'ai compris que ça venait par les fenêtres, mais là, si tu veux, je suis un petit peu en galère. De nouvelles machines de mort, comme les chars, ont modifié la guerre du jour au lendemain. Heureusement, la plupart étaient dans notre camp. La plupart. En fait, à chaque fois, on joue le rôle d'un autre mec, ça c'est cool. En tout cas, franchement, les mecs, putain, il est beau. Hein. Oh, puis. Ah, puis le son et tout. C'est ouf. On n'a pas le time, nous, on passe à travers les murs, on est chaud bouillant. Tirez sur tout ce qui est revu. On va y arriver. Attention.
guise d'aventure, nous avons connu la peur. Car à la guerre, nous sommes tous égaux devant la mort. Ok. Tenez à tout prix. On peut pas viser, non ? On peut pas viser quand on a ce bonhomme là. D'accord. Donc là, de toute façon, on doit tenir. Alors, honnêtement, vous approchez pas trop parce que ça. On prend vite des dégâts. Le dirigeable Ah, je vais crever. Non, je vais crever. Ah, derrière. Faut que je me barre. Non, putain. C'est classe quand tu meurs de voir les dates, là. Ça, c'est cool. Putain, du coup, merde, je suis mort. Désolé, les mecs, hein. Mais j'aime pas, en fait, on pouvait pas viser avec le bonhomme qu'on avait, là. C'était un peu chelou. Barre-toi, toi. Fais attention, il y a un mec là. Ah. Ah, carrément. Il pousse. On pousse. De temps en temps, on pousse assez fort pour que la lumière perce à travers les nuages. Et on voit briller un monde au-delà de la guerre, juste hors de portée. La guerre est le monde, et le monde est la guerre. Mais derrière chaque viseur, il y a un être humain. Nous sommes ces gens. À la fois blasés et naïfs. À la fois hommes d'honneur et criminels. Nous sommes des légendes à venir et des oubliés de l'histoire. Nous sommes les chevaliers des cieux, les fantômes du désert et les rats dans la boue. Voilà nos histoires. Alors du coup, ça en est terminé pour cette première mission. Alors franchement, très très honnêtement, il est super beau. Là, le mode campagne est vraiment super beau, très immersif. On est dedans. Après, j'avoue que des fois, on a un peu du mal à comprendre ce qu'il faut faire très exactement. J'ai pas compris pourquoi l'autre personnage pouvait pas viser celui qui avait le masque. Là, du coup, bah, je suis mort et puis j'ai pas vraiment très bien compris. Mais franchement, dans la globalité, les mecs, le mode campagne, il déglingue. Sérieusement, c'est une vraie tuerie. Donc voilà, je vous ai montré la première mission. Si vous voulez en voir plus, n'hésitez pas à le dire par commentaire. Et également, bah, laissez un petit pouce bleu, un like, ça fait toujours plaisir. Comme d'habitude, n'hésitez pas voilà, à liker, à partager et à vous abonner si le cœur vous en dit. Et j'ai plus qu'à vous souhaiter une excellente fin de journée. A très bientôt. Ciao, ciao! Yeah. Ooh.
Thank you.